gul, gul gul, gul gul, ça veut dire gul, au revoir. Bye bye. Le poste de frontière. Déjà, on dirait qu'il n'y a pas foule, donc on devrait peut-être attendre un peu moins longtemps. Mais moi, j'ai toujours pas les passeports, ils sont derrière. Là, on est toujours côté turc, on est à la frontière. Il y a une dizaine de voitures devant nous. On verra combien de temps ça va durer. Et on vous reprend après. En attendant, on va manger un petit bout car on n'a rien trouvé sur la route pour s'arrêter. Dans les stations, rien non plus. Les restaurants, ils étaient fermés. Donc un petit sandwich en attendant. Allez, à tout à l'heure. Ça y est, nous sommes rentrés en Grèce. Allez, bisous, Malou. Alors en Grèce, on va prendre ça par cœur. Hein. 50, 90. Ouais, National 90, 110, machin, 120 sur l'autoroute. Bon, ben, ma foi. Enfin, attention. Alors ce soir on est à un Park Fortnite à Kavala. Alors le premier qu'on avait fait, on s'est un peu fait jeter par la police. Ils voulaient nous embarquer sur un parking béton payant. Il fallait se barrer avant 9h parce que patati parce que patata. Donc on est parti, on a trouvé un autre Park Fortnite et là on est à côté d'un hôtel désaffecté, pas loin de la ville. Et au bord de l'eau. Voilà. Donc c'est pas mal. C'est mieux que le béton. Le chien il a un petit peu de terrain pour courir, faire son petit pipi, son petit caca. Et on doit pas être bien loin de la ville. Hein. Ouais. Et j'ai pas dit bon apéro, hein? Non mais... On va le prendre quand même. Mais on me dit plus. Voilà. Allez, tout à l'heure. Bonjour à tous. Alors ce matin, déjà on a passé une super nuit. Pas de bruit, que le bruit. La musique des vagues. Pas de chien qui hurle, rien. Oh là là. Super. Mais ce matin, on s'en doutait un peu, hein, parce que déjà hier, il y en avait un petit peu, mais on se réveille, il y a plein de pêcheurs autour de nous. Alors, je sais pas trop ce qu'ils pêchent, je connais rien. Pas du sciure, hein. Ils ont pris un petit poisson. Valérie, elle dit que c'est de la sole. Un poisson plat. Voilà. Donc il fait beau ce matin, il y a du soleil, 21 degrés, franchement, et nos pêcheurs qui sont là. Bon, je pense qu'on est prêt, à partir. On va passer peut-être dire bonjour, mais ils n'ont pas l'air d'être levés. On va regarder. Ouais, il y a des Français qui sont venus nous faire un petit coucou hier. Bon, ils sont avec un véhicule, bon, c'est un poids lourd. Hein. Un Iveco, 5 tonnes 5, 4x4, maintenant tout le monde les connaît. Hein. Il y en a plein qu'en ont. Avec, c'est pas une cellule, c'est, enfin, je vais vous faire voir, 3C une 3C Cartier. Eh ben, eux, la Roumanie, ils sont emmerdés quand même. Hein. Mais c'est pas le même pays. Ouais, ils sont pas les mêmes. Voilà. Pays, hein. La Roumanie, c'est une vignette par jour. Une vignette par jour? Ouais. En poids lourd. Ah, ouais. Ah, il n'y a pas que des avantages en poids lourd, hein. Il y a aussi des petits inconvénients, mais chaque véhicule a ses,
avantages et ses inconvénients. Voilà, le véhicule idéal, comme je dis toujours, je sais pas s'il existe. Voilà, on va vous faire voir le joli camion, le joli Iveco. Et voilà, essayez de pas prendre sa plaque, ce monsieur, ça sert à rien. Ah, il est joli, hein, mon Iveco. Voilà. Mais les Iveco, ils se lèvent pas tôt. Voilà, voilà. Allez. À plus. Alors, on va où, nous, ce matin, aujourd'hui? Thessalonique. Thessalonique ou Nit? Thessalonite. Thessalonique. Nick, Nick. C'est loin d'ici? 200 bornes. 200 bornes, ah ouais, quand même. Mi-chemin pour aller au Météor. D'accord. Bon, bah, allez, c'est parti. Alors, ce matin, en partant, on s'est dit non, bah, on prend pas l'autoroute. On va prendre la route, longer la côte, voir des beaux paysages. C'est toujours agréable. Et ben voilà. Les beaux paysages. Voilà, les beaux paysages. Aujourd'hui, il y a du brouillard. Pas de chance. Bon, ça y est, le brouillard s'est levé. Et on peut enfin admirer le beau paysage. Bon, forcément, quand tu filmes, il y a des arbres. Hein. Ah, j'y crois pas. Une belle petite route au bord de l'eau. Ensoleillée. C'est tellement beau, voilà la bande blanche. On l'a pas vu, hein. On va essayer de s'en approcher. Donc voilà, on n'a pas pu s'empêcher de s'arrêter sur cette plage qui n'est pas abandonnée, mais qui est ensoleillée. Voilà, en bord de route. On a trouvé ça. Ouais, ça fait envie, hein. Ça va se baigner, hein. Il y en a qui sont là-bas, torse poil. Non. Forcément, Sam, il aimerait bien aller dans l'eau, mais non, 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 faut pas le laisser faire. Parce que l'eau de mer, comme je vous l'ai déjà dit, il la boit. Et après, ben, il a un peu la courante. Ah, le bruit des vagues, hein. Et des bagnoles derrière. Et quand il passe pas de voiture, le bruit des vagues, c'est apaisant. Alors, ce matin, on se réveille à côté de notre monastère. On est dimanche, on est là. Voilà, petite nuit paisible. Aucun bruit, des chiens, mais loin, lointain les chiens. Donc pas du tout dérangeant. Alors ce matin, il fait 14. On avait 20.3. Dans notre chambre, sans chauffage, sans rien, avec la chaleur de nos corps. Qu'est-ce que t'as, gros? Et gros, les caresses du matin, hein? Le gros, il a envie de faire le fou, hein? Et gros pépère, ah, t'as faim? Ah, t'as faim? Ah, il a peut-être qu'il a faim, là. Peut-être, en fait, ça veut juste dire qu'il a faim. Si gros, c'est bien mon chien. Allez, mange. Il est gentil ce chien.
Bon voilà, donc ce matin nous allons prendre la direction de... On prend la direction de quoi ce matin? Alors je recommence là. Donc ce matin nous allons prendre la direction des météores. Alors les météores, ce sont des... Alors les météores... Ah, je vais faire du coupage. Alors les météores, c'est des formations rocheuses. Et dessus, ils ont construit des monastères. Alors, ils avaient du courage, hein, franchement. On se demande même comment ils ont fait, quoi. Donc on va essayer de, on va essayer d'aller voir ça. Peut-être même on va en visiter un, hein, de monastère, si c'est possible. Ils sont pas tous accès autorisé. Allez. On peut fermer la porte parce que du coup je suis pas encore habillée. Bon, je ferme la porte parce que. Et du coup il fait frais quand même. Ouais, je ferme la porte alors. Bon, à tout à l'heure. Allez, hop. C'est vrai que ça caille un peu. Un tout petit peu, mais ça caille quand même. Quand on n'est pas bien habillé, surtout. Bon, allez. Le chien, il a mangé. Ouais, il rigole pas, lui. Hein. 30 secondes, il a mangé. Hein. On va lui donner un tuyau de goutte à boire. Ouais, il aime bien. Hop, pardon. Léché. Et puis, on va aller faire la petite balade matinale. Voilà. Allez, viens te promener. Allez, c'est parti, je vous reprends tout à l'heure quand on décolle. Allez, à tout à l'heure. Bye bye. Ça y est, on arrive sur le site où il y a les météores. Je vous fais voir. Bon alors, c'est joli, hein, les monastères perchés. Le gasoil aussi, il est perché. Hein. Ici, il est à 1,99€, pour pas dire 2€. Quoi. Et ça, c'est le gasoil le moins cher. Hein. Sinon, il y a le plus cher aussi. Il y a le super gasoil. Allez, la douloureuse. Alors là, il n'y a pas besoin d'avoir un drone pour faire des vidéos spectaculaires. Bon allez, nous voilà partis visiter un monastère. Donc je ne sais pas comment on y accède. Parce qu'il est quand même perché. Ah, il est là, ce monastère. S'il faut prendre ce petit téléphérique, là. Non, merci. Là, pour l'instant, on descend. Ah non, il y a un pont, là. Il y a un pont. Et on continue de descendre. Et en fait, il y a un pont. Un petit pont, non, pas de bois. From Turkey, yeah. Oh wow. And you go and then go Balkan or no? Just Albania. Albania. Come back for Christmas. Yeah. C'est parti. Ooh. On va pas voir grand chose. My throat. Ah oui, c'est l'escalier, il y en a. N'explique pas. Val elle dit vertigineusement beau. Ouais, c'est pas faux, hein. Ah, plus on monte, bah plus c'est haut. Ouais. Il y a de la marche. Le camion, il est là-bas. Alors là, on rentre dans le monastère. Voilà. Ils t'ont donné une robe. Apparemment, on n'a pas le droit de filmer.
même. En tout cas, le parquet, il brille. Hein. Donc ici, il y a de l'élastique. Mais ça brille. Vieille cuisine. Vieille, mais bien équipée quand même. Suréquipée. Un four à pain ou un four à cuire. Et en haut, il y a l'évacuation. Voilà. Alors là, par exemple, prendre deux photos à l'intérieur, on avait une fenêtre ouverte. On va essayer. Là, c'est un peu la classe quand même. Ah, il y a même un robinet pour faire le plein d'eau de mon camion. LOL. Et voilà, forcément, quand tu montes, t'as une belle vue. Eh oui. Youpi. Avec sa belle robe. Une autre vue, tout aussi impressionnante, forcément. Allez, Harry, devant son monastère. Tu as eu peur? Ou bien? Encore un point d'eau. Bon, on va venir là. Bon, alors là, c'est des marches, mais un peu plus. Un peu plus rustre, on va dire. Valérie, elle monte à l'envers. Et, pour faire voir qu'elle est trop forte. Je vais voir que j'ai une belle robe. Et ben voilà, on arrive encore là. Fallait pas attendre la bannière. Ah, bah tiens. Salut. Les Belges. D'Autrical en Yohani, non, et Partia qui ôte de Servion et Lati. Alors, vous avez compris? Bye bye, les météores.